Ah là là, rien de nouveau, un bon vieux V10 pour vous hérisser les poils de l'avant-bras. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Mode à la Mode. On se retrouve sur, Assetto Corsa une nouvelle fois, il y en a pas mal ces derniers jours, pour découvrir le mode Formula RSS 2000 V10, un mode payant à 3,99€ que l'on doit aux équipes de Racing Studio. Alors vous connaissez certainement cette équipe de modeurs puisqu'on a déjà pu découvrir ensemble plusieurs voitures qu'ils ont créées, la Formula RSS 2, Formula RSS 79 et notamment le GT Mode qui est sorti il y a quelques mois en reprenant les bolides de la belle époque de GTR 2. Tous leurs modes sont évidemment payants, c'est le cas de celui-ci, je remercie les responsables, les admins de me l'avoir mis à disposition pour vous le présenter dans cette courte vidéo. Alors on va passer ensemble en revue la fiche technique de la voiture, donc un modèle unique évidemment. Vous allez pouvoir découvrir deux petits skins que j'ai déjà trouvés sur S Department, la déco de la Prost et de la Ferrari. Donc un mode Assetto Corsa qui nous propose une monoplace inspirée des voitures de la catégorie Formule 1, vous l'aurez sans doute reconnu, des années 2000. Et on est, comme d'habitude, très très bien servi du côté des setups, que ce soit au niveau de la boîte, des pneumatiques ou du reste de la voiture, l'aérodynamique, les freins, les suspensions, bref, un véritable casse-tête sans assistance. Il vous faudra bien prendre le temps d'apprivoiser cette voiture si vous voulez en tirer quelque chose. On apprécie, comme d'habitude, chez nos amis de Racing Studio, le détail avec le choix, par exemple, de l'aileron arrière, de la couleur de la diode sur le volant ou encore la position de la caméra sur le dessus de l'arceau. Bref, des petits détails qui font vraiment le café. En tout cas, aucune livrée sous licence, mais la possibilité de régler une voiture qui, sans aucune assistance, s'avère être un véritable calvaire. Oui, il en fallait une grosse paire, si vous me passez l'expression, pour rouler en Formule 1 il y a 15-20 ans de cela. Et c'est vrai que cette voiture le retranscrit très bien. Une nouvelle fois, le travail est très soigné, que ce soit au niveau de la réalisation 3D. On retrouve ici donc un modèle unique, mais avec bon nombre de caméras plus immersives les unes que les autres. Je vous ai mis un petit panel sur les différentes courses que j'ai pu faire. Vous allez voir que les onboards sont très bien choisis. Les voitures donnent très très bien en peloton. Il y a une trentaine de skins. Alors, ce sont des skins évidemment qui changent juste de couleur les voitures, mais ça peut déjà vous permettre de bien vous amuser. Évidemment, au niveau des sensations de vitesse, que ce soit la caméra arceau excentrée ou la vue première personne, on s'y retrouve vraiment. Alors au niveau du volant dans la caméra embarquée, on a ici un volant qui est semblable à celui de ce que proposait la Ferrari de l'époque. Et si vous prenez le skin de la Ferrari, ce qui est le cas sur cette partie de vidéo à Spa-Francorchamps, vous allez voir évidemment le volant Ferrari de l'époque, mais on s'en est grandement inspiré. Les LED sont bien visibles, mais vous le voyez, blanchis mon pied à fond. Ça ne se passe pas toujours très bien. Alors, une voiture qui a tendance, dans son comportement, on va l'aborder justement, eh bien, à tenir le pavé, à être vraiment très très bonne en adhérence, en grippe aérodynamique. Malheureusement, si vous commencez à tartiner ou à trop rétrograder, à vouloir passer l'arrière devant, la voiture ne va pas du tout s'entendre avec votre pilotage et vous serez bon pour recommencer votre course ou tout simplement abandonner dans le meilleur des cas. En début de vidéo, vous avez eu la possibilité d'apercevoir une fiche technique, on va la détailler ensemble. Cette voiture donc est dotée d'un moteur V10 d'une puissance de 805 chevaux et un couple à 350 Nm pour une vitesse maximale de 350 km/h. Une boîte séquentielle 7 vitesses, un poids de 600 kg et un 0 à 100 en 2 secondes 8. Autant vous dire que ça envoie du très très lourd. Alors évidemment, je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, évidemment, un mode incontournable. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la voiture à monoplace faite par cette équipe de modeurs, elle est tout simplement parfaite. J'ai rien à redire sur cette voiture. Que ça soit la limite de l'adhérence, le force feedback est tellement bien. Je vous demande de l'essayer, vraiment. Je gagne rien, hein, vous l'essayez ou pas. Je n'ai pas de royalty sur les ventes. Vraiment, c'est vrai qu'on doit le préciser encore en vidéo en 2018. Sincèrement, La limite du grip, le force feedback, la boîte de vitesse, vraiment tout est génial et on a l'impression d'avoir vraiment une Ferrari à la pointe de ce que proposait
la Formule 1 à cette belle époque des V10. Alors maintenant, on attend que la communauté se mette au travail, ce qui doit déjà être le cas à l'heure où je tourne cette vidéo, pour nous proposer des grilles entières avec les skins, les décorations de l'époque. En tout cas, force est de constater que c'est un mode sur lequel il faut débourser 3,99€, mais faites-le si vous avez un petit peu de deniers en stock sur votre PayPal ou sur votre compte. Votre compte Steam, je ne sais pas vous avez un petit peu de deniers, non pas votre compte Steam, mais bref, votre porte-monnaie, si vous avez, c'est ça que je cherchais le mot, porte-monnaie, si vous avez quelques deniers de côté, allez-y, franchement, c'est un mode qui vaut le coup. Gros challenge à piloter, voiture très complète, donc monomodèle, je le disais, mais un modèle très très sympa, très réussi, et qui correspond à peu près à ce qu'était la Ferrari de l'époque, mais bon, c'est vrai que c'est très sympa. Au niveau des décorations de pneus, on est sur une parodie de Bridgestone, on a des skins qui vont être refaits sans doute, mais une fois que ce sera fait, ce sera beaucoup plus sympa. Ici, vous avez Suzuka avec le volant d'origine, les LED, c'est peut-être bête, mais vous pouvez avoir la LED à la couleur de votre équipe. C'est du détail, mais c'est des petits détails qui font plaisir, même les numéros de châssis signés par les modeurs dans la partie droite du cockpit. C'est vraiment un petit détail marrant, mais c'était le cas à l'époque des châssis FIA qui étaient signés. Enfin bref, il y a beaucoup de petits détails à découvrir. Une voiture à tester, mais je vous informe que si vous dépensez la somme nécessaire pour acquérir cette voiture, vous soutenez une équipe de modeurs qui fait un travail, pour l'instant, très peu reprochable. On a d'autres choses qui vont arriver dans les semaines et les mois futurs, notamment la catégorie NGT, c'est-à-dire la petite catégorie du GT du début et du milieu des années 2000, qui complétera le mode GT avec déjà les Leicester Storm, les Viper et les Ferrari Maranello. Bref, vous avez compris le message. Rendez-vous donc dans la description pour trouver les liens nécessaires pour télécharger et découvrir les voitures faites par Sim Race Studio. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du mode à la mode, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et à la prochaine, et bonne année 2019 évidemment. Salut !